Parti. Alors, fidèle à notre habitude dans Génération Énergie, c'est le vendredi de l'expérience et ça fait longtemps qu'on veut l'essayer parce que dès la seconde où j'ai su qu'on allait goûter de la nourriture d'astronaute, j'ai eu beaucoup de monde. Tu sais, d'habitude, Sabrina, t'es au courant, quand on fait l'expérience, il y a personne qui veut participer. Là, tu cours, tu demandes aux 30 personnes de la station, puis faut pas que tu dises qu'est-ce que tu vas goûter parce qu'on a appris qu'on avait n'importe quoi. On n'était jamais là quand c'est le temps dans mon après-midi. Ah, okay, alors, on va goûter à de la crème glacée au chocolat, aux pépites de chocolat, de la crème glacée d'astronaute. OK. Mentionnons que ça ressemble à rien pour l'instant. C'est dans un sachet, puis ça a l'air d'être un carré. C'est sec. Et en allant sur Internet, j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte qu'il y a un site Internet qui vend ce genre de choses-là en ligne. Et même que la crème glacée, c'est l'item le plus populaire, le plus vendu. Alors ça me rassure, je pense pas qu'on va être malade aujourd'hui. Okay. Le site internet, je vais le mettre en lien sur mon blog Génération Énergie. Alors j'ouvre le sac. On s'est demandé toute la semaine. Combien de calories les filles là-dedans? Attends, on va regarder. 160 calories par contenant avec 8 grammes de gras. Même si c'est de la poudre. Oh, ça ressemble à quoi? On va dire le suspense encore plus. On va-tu y arriver? OK. Oh. Hey, ça ressemble à... Oh. Un sandwich à crème glacée? Ça ressemble à un mélange à gâteau. Là. Mentionnons que ça fait 4 jours qu'il lit le tripot tous les jours dans le but de l'émietter. Alors, je vous donne un morceau, tout le monde. Prenez-en un. Je veux le plus gros. Merci de vous prêter à l'expérience, d'ailleurs. Est-ce qu'on goûte? Ça sent la crème glacée. On dirait ça ressemble à rien. On dirait un morceau de lune. OK. On va goûter. À go! C'est bon, mais c'est chaud. C'est bizarre. Oh! Oh! C'est comme si on mangeait de la poudre. C'est vraiment ça. Ça goûte bon. Ça goûte bon? Ouais, mais c'est trop croustillant. Gars. Ouais, mais imaginez-vous qu'on est dans une fusée. Beaucoup de texture bizarre là-dedans. Oh! Oh! Ben, expérience plus ou moins concluante. Non, moi j'aime ça. Pour épater la galerie, peut-être, dans un party. Est-ce que tout le monde me donne ça? Non, mais le goût est pas mauvais. C'est la texture. Mon Dieu, y a personne quand on sait qu'on mange la crème glacée, c'est un peu bizarre. Mais pour un party comme ça, pour épater la galerie, je pense que ça vaut la peine. Alors, allez sur le blog radioénergie.ca. On va pouvoir dire qu'on a déjà mangé de la nourriture d'astronaute.